Parlant de la relation entre la famille royale et les Sussex, le correspondant royal du Mirror, Russell Myers, a affirmé que la situation était restée très très glaciale des mois après une interview explosive que le couple a accordée à l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey. Le prince Harry a parlé avec un langage bizarre de son retour récent et de celui de Meghan au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine, a déclaré un expert royal. S'adressant à la télévision australienne au sujet de la relation entre la famille royale et les Sussex, le correspondant royal du Mirror, Russell Myers, a affirmé que la situation était restée très très glaciale des mois après l'interview explosive du couple avec l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey. Harry et Meghan se sont plaints de leur traitement par certains membres de la famille lors de l'entretien, affirmant qu'un royal, sans nom, avait spéculé sur la couleur de la peau des Archie avant sa naissance. Quelques semaines avant leur récent retour au Royaume-Uni, où ils ont été rejoints par la fille d'un en Lilibé, qui a rencontré la reine pour la première fois, Harry a accordé une interview à NBC Today, referring to the Duke of Sussex interview, Russell Myers said, Harry was giving an interview just a couple of weeks ago when he was at the Invictus Games. It was all, sort of, bizarre language, he was there to protect the Queen and these things are not going down too well. If it, their relationship, is to be repaired, then there needs to be a bit more water under the bridge. However, Mirrorman Myers agreed with Australian TV host Richard Wilkins on the Today Show who claimed they may be trying to have their cake and eat it too.